le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un nouveau partenariat avec la boutique GBFKE. Donc ce sera mon premier partenariat avec cette boutique. J'ai été contactée le 3 juillet et j'ai reçu le 20 juillet. Donc ça va, c'est assez rapide. Le seul truc c'est que je ne savais pas où était mon colis parce que j'ai eu le suivi de colis 2 jours avant que le colis arrive et encore je l'ai réclamé. J'avoue que ça serait bien que les partenaires fassent un petit effort là-dessus et nous envoient le numéro de suivi parce que surtout là on est en période de vacances et moi j'habite un immeuble et il y a beaucoup de vols dans les boîtes aux lettres et on a une boîte aux lettres qui est cassée. Donc j'aime bien surveiller mes colis et savoir quand est-ce qu'ils arrivent pour pouvoir y aller directement pour éviter de me faire voler mes colis. Voilà. Mais bon, bref. De toute façon, j'ai finalement eu le suivi de colis et j'ai reçu ma commande hier. Voilà. Donc on va regarder ça. Donc principalement c'est du DP. Parce que GBFKE, moi je l'ai connu beaucoup pour le diamond painting. Et j'avoue que voilà, j'essaye de garder quelques partenaires pour le diamond painting et quelques partenaires pour le point de croix. Voilà. Donc on va regarder tout ça. Parce que j'en connais une qui a hâte d'avoir un article qui se trouve dedans. Alors, désolé pour le bruit, on enlève tout ça de là. Hop là. Voilà, on enlève ce qui fait du bruit. Alors, je suis désolée pour la luminosité, mais il fait pas beau aujourd'hui. Il pleut. Bon. Ça faisait tellement longtemps que c'était pas arrivé qu'on est plutôt content. Voilà. Alors, on va commencer par les petits accessoires. Comme ça, ça sera fait. Alors, j'ai craqué pour ces petites choses. Allez, voilà. Hop, désolé, encore pour le bruit. Alors, j'ai pas pris de... J'ai pas pris là. Voilà. Parce qu'il est complètement emballé. Voilà. Donc, c'est un petit porte-crayon en forme de frigo. Voilà. Ma fille attend que ça de l'avoir. Avec, on a des petits stickers. Voilà. Après, je sais pas si elle va mettre ceux-là ou si elle va en mettre d'autres parce que je lui en ai fait hier. Alors, hop. Voilà. Donc là, j'ai pris rose, le rose pâle. Et il existe en blanc, en bleu ou en vert, je ne sais plus. Enfin, il existe dans plusieurs couleurs. Voilà. Donc là, c'est un petit frigo. Ici, vous avez... de quoi mettre des petites choses. Là, vous avez un petit rangement. Et ici, vous avez un petit tiroir. Désolée pour ma voix. C'est le matin et j'ai la voix enrouée. Voilà. Et donc ici, vous mettez vos, stylos, etc. Donc, c'est pas mal. J'aime beaucoup le principe. Voilà, vous pouvez voir. Je pense qu'on met quand même pas mal de choses dedans. Voilà. Moi, j'aime bien. Je pense qu'elle va s'amuser à le décorer. Et je pense que je vais lui en prendre un autre un de ces jours. Parce que c'est pas mal. Voilà. Ce petit frigo, il était au prix de 4,49€. Voilà. Donc ça, c'est sympa. Voilà, des petites choses un peu kawaii. Elle va être heureuse de pouvoir décorer son bureau. Comme elle rentre en 6e, elle a envie d'avoir de jolies choses. Donc bon, voilà. Tant mieux, on lui fait un petit peu plaisir. Ensuite, j'ai craqué. Alors, c'est arrivé cassé. Vous voyez là, le couvercle, il est cassé. Je vais leur envoyer une photo. Alors, j'ouvre ça. Alors, je ne sais plus chez qui j'ai vu ça, mais c'est une petite poubelle. Ah, le morceau cassé, il est là. Il est dedans. Je ne sais pas si ça a été... Alors, focus. Je ne sais pas si ça a été cassé dans le transport ou pas. Mais en tout cas, c'est arrivé cassé. Bon,
Bah, tant pis, c'est pas grave. Je vais leur envoyer un mail. J'avoue que je suis un petit peu dégoûtée. Surtout que le colis n'a pas l'air d'avoir pris de choc. Donc je pense que c'est parti comme ça. Bon, bref. Moi, je vais leur faire remonter l'info et leur dire de faire un petit peu plus attention, sachant que le plastique, elle est très fragile. Hein. Donc, ce genre d'article, peut-être les emballer un peu plus. Ça pourrait être sympa. Parce que moi, j'ai pas payé, mais les gens qui payent, eux, veulent recevoir un article correct. Donc, bref, c'est une mini poubelle que je vais mettre à côté de moi quand je brode. Pour récupérer les petits bouts de fil, etc. Ou même la laine, parce que j'en fais une consommation industrielle. Donc moi, je l'ai pris en gris, mais elle existe en d'autres coloris. Voilà. Bon, bah, y a pas grand-chose à dire sur une petite poubelle. Donc, cette mini-poubelle, elle était au prix de 2,19€. Voilà. Alors, ensuite, on va passer aux toiles. On va commencer avec celle-ci. Voilà. Ça s'ouvre où, là? Là. Oh. Allô. Oh, je pense que vous avez reconnu qui c'était. Hein. Hop. C'est Stitchou. Voilà. Je me disais aussi, c'est bizarre. Elle est bizarre, la toile. Il manque un côté. Donc là, vous avez des marques sur le papier, mais une fois... que vous replacez bien votre protection dessus, il n'y a aucun souci. Hein. On a 18 couleurs, donc c'est une 30 par 30. Alors, on va regarder si ça colle. Ça colle bien. Voilà. Au niveau de l'impression, je viens de vous faire bouger. Oh, je suis désolée, il faut vraiment que je change de trépied. Ne va plus du tout. Alors là, en plus, vous avez les reflets du fait qu'on est sur de la lumière artificielle. Voilà. Au niveau de l'impression, alors je regarde le foncé. Il n'y a pas de souci, c'est bien imprimé. Attendez, on voit très bien. Ouais, on voit bien. Donc ça, c'est cool. Ma fille va être contente. On va regarder les couleurs. Donc bah, là, on a le tout kit de base. Hein. Voilà. Et les couleurs. Alors, regardez ça. Ah, ils ont mis, regardez, sur les sachets, on a les DMC. Donc ça, c'est cool. Ça vient qu'ils fassent ça un petit peu plus souvent. Alors, hop là. Donc, on a dit qu'il y avait combien de couleurs? 18. Alors, donc, on a du 317, du 336, du 351 qui ressort orange, mais qui n'est pas du tout orange, c'est un saumoné. Du 371, du 413, du 517, du bleu forcément, du 518, du 610... du 741 qui encore une fois ressort orange, mais orange citrouille, c'est bien orange mais pas aussi pétant que ça. On a du 803, on a du 820, on a du 928, du 931, on a du 977, pareil, il ressort hyper pétant mais c'est pas du tout leur couleur. On a deux gros sachets de 15, de 995, qui est pour le fond, je suppose. Ça doit être le D. Ensuite, on a du 997. On a du 3766. Et on a du 3835. Voilà. Qui, à mon avis, vraiment, ça bouge. Voilà pour les couleurs. Je pense qu'elle va être assez sympa, cette petite toile. Je pense qu'elle va bien lui plaire. Alors, il y a pas mal de blocs quand même dessus. Donc, j'espère qu'elle va pas se lasser trop vite. Ensuite, je vous ai pas donné le prix. Alors, c'est la toile Stitch. Moi, j'ai mis bleu. Elle est au prix de 3,99€. Voilà. Alors, on va regarder...
poils. Alors celle-ci, ma fille l'a voulait depuis un petit moment et on avait voulu la prendre chez Pen Somewhere, mais il ne l'avait pas. Elle était en rupture. Donc on a réussi à l'avoir chez GPF qui a eux. Allô. Donc c'est Totoro. Ma fille a une passion pour Totoro en ce moment. Voilà, donc c'est Totoro. Donc c'est une 40 par 30. Pareil, elle a 18 couleurs. Alors, je suis pas sûre que vous voyez bien. En plus, moi, j'ai le support téléphone qui est en plein milieu de mon écran. Donc, je ne vois pas ce que je vous montre. Je sais pas si vous voyez bien. Alors après, elle est très sombre, hein, donc forcément, voilà. Je pense qu'on verra une fois qu'elle sera diamantée. Et elle a l'air très très sympa. Franchement, ça a l'air pas mal. Et, petite surprise, c'est en sachet zip. Donc même pas besoin de boîte. Donc ça, c'est cool. Regardez. Ça, c'est trop bien. Alors, on va regarder là la colle. Oh, ça colle bien. Pas de souci. Au niveau de l'impression... Il n'y a pas l'air d'avoir de soucis. C'est bien visible. Ouais, c'est bien visible. Il n'y a pas trop de problème. Ouais. Non, j'ai pas de soucis. J'ai aucun souci. Vous voyez, il est trop mignon, Totoro. J'aime beaucoup cet effet avec la lune, etc. Je pense qu'elle va l'attaquer bientôt. Hein. Même si elle finit pas grand-chose, mais bon. On va regarder du coup les diamants. Alors, on va poser ça là. Je mélange pas tout. On a le toolkit de base, comme d'habitude. Et donc, on a des diamants en sachet. Donc ça, c'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien quand c'est en sachet. Alors... J'arrive à récupérer les sachets. Voilà. Ah, j'ai pas tout récupéré, j'en ai oublié un. Alors, je vais y arriver. Donc là, on a du 3865. On a du 3770, qui a un rose pâle, mais vous le voyez très beige. Alors, attendez, je viens de voir un truc sur... Ah non, c'est moi. J'ai cru voir qu'il y avait un petit problème, mais non. On a du 3755. On a du 3752. Oups. On a du 3740. Du 3354. Du 948. Du 826. Du 824. On a un gros paquet de 798. Je sais pas c'est quoi comme couleur. Le 798, c'est la 9. C'est le A. Ah oui, c'est tout le fond quasiment. Donc forcément, voilà. Ensuite, on a du 796. On a du 791. Du 754. Du 744. Du 554. On est beaucoup sur des teintes rose-violet. Hein. On a du 340. Forcément avec le reflet de la lune, etc. On a du 318. Et on a un gros paquet de 208. Alors, j'ai bien peur... Ah non, j'ai cru. J'avais peur que les diamants soient statiques. Je vais dire, ah non. Hein. Voilà, donc là, on a du 208. Voilà. Le focus, c'est quand ça va. Donc, bah moi, je suis plutôt contente parce que c'est en sachet zip et du coup, elle va pouvoir commencer sans avoir à se casser la tête avec les boîtes. Parce que je vous avoue que, bon, c'est un petit peu énervant. Enfin, moi, c'est pas la partie que je préfère. Enfin, ça dépend des choses, mais c'est pas forcément la partie, moi, que je préfère mettre en boîte.
Hier, il a fallu que j'enlève toutes mes étiquettes de mon toile dompteuse de lion. Je vous avoue, ça m'a énervée. Voilà. Donc, cette toile, elle était au prix de 4,89€. Et la dernière de ce petit paquet, c'est, vous l'avez encore reconnu, je pense, c'est encore un Stitchou. Voilà. Alors, celui-là, c'est pareil, on voulait le prendre sur une autre boutique, mais il ne l'avait plus en stock. Donc, on l'a trouvé ailleurs. Alors, donc pareil, hein, là, le papier, il est mal positionné. Donc forcément, c'est ça qui donne l'impression qu'il y a des rivières, mais pas du tout. Hein. Sur les papiers transparents, il n'y a pas de rivière. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, c'est une 30 par 30 et elle a 22 couleurs. Il est tout chou avec son petit nœud papillon. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, il y a pas mal de blancs, etc. C'est pas mal de blocs aussi hein, pour ce modèle-là. Donc après pour les enfants c'est pas plus mal hein. Voilà. Après ils sont un petit peu comme moi et j'avoue qu'ils se lassent assez vite quand c'est vraiment des gros blocs, ça c'est un problème aussi. Alors on a un toolkit de base comme d'habitude, voilà, hop. On a les diamants, alors là on a les bons vieux diamants comme les toutes premières toiles qu'on a eues, voilà, avec les sachets plastiques comme ça. C'est pas ce que je préfère, mais bon, ça va pas l'affaire. Alors, attendez que j'arrive à ouvrir ça. En plus, j'ai du mal avec mon ongle. Hop là, voilà. Ah là là, ah là 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 là. Ils ont tout mis. Oui, c'est vraiment. Désolé pour le bruit. C'est vraiment comme les toutes premières toiles qu'on a eues. Hein, voilà. Là, on a une ribambelle de 3865. Voilà. Donc, du coup, pour tout le fond. Hein. Voilà. Donc, les diamants, ils ont l'air d'être pas trop trop mal. Après, en rond, généralement, il n'y a pas de souci de toute manière. Voilà. Alors, je vais remettre ça directement dans le sachet. Alors, je suis désolée, ça va faire du bruit, mais voilà. On a un sachet de bah, je sais pas quoi, parce que regardez. Ben, je vois pas. Donc, il va falloir y aller à la déduction. Je dirais que c'est... Alors là, 1996 peut-être. Je sais pas, on va voir ce qui manque. Donc là, on a du 3807. Là, donc c'est un bleu. Alors, les endos ont l'air d'être assez piqués, quand même. Il y en a pas mal. Ah non, c'est que dans ce paquet-là. Dans ce paquet-là, il y a l'air d'avoir des endos piqués. Mais pas dans les autres. Je sais pas. On a ensuite du 813. Voilà. Ensuite... ouais, ça, je dirais que c'est du 996. Je pense que c'est ça. C'est du 996, ça. Bleu là, donc ça il faudra que je pense à lui dire, au vu de ce que j'ai devant moi, j'ai l'impression que c'est la seule couleur qui me manque. Alors là j'en ai encore un où il n'y a pas la couleur, et ça je dirais que c'est du 3700, ah non, si, peut-être. Non, bah non, ça peut pas être du 3752, non. Alors là, non, 3752, il est là. Alors ça, c'est vraiment pas terrible, terrible. Hein. Là, j'ai du 826. Mais ça, c'est les fournisseurs. Hein. C'est vraiment, à mon avis, les toutes premières toiles qui sont sorties. Et du coup, bah voilà. Alors donc là, on a du 3752. Bah là, celui-là, il n'a pas de... Ah si, ça c'est du 3765, alors faut avoir des bons yeux hein, pour voir. Ensuite, là, on a du 800... Ouais, je vais y arriver. On a du 826, ici.
Voilà, on a du 3747 ici. Alors, je vais enlever ça. Voilà. On a du 824. Voilà. On a du 518. Voilà. On a du 800. On a du 798. On a du 310. Ici. On a du 823. Alors, j'essaie de vous trouver les chiffres, hein, mais c'est pas évident. On a du 3756. Voilà, on a du 3836. On a du 3835. On a du 963. On a du 153. On a du 554. Et on a du 3740. Voilà. Et donc, du coup, celui-ci. Alors, si je reprends lequel on n'a pas dit. Je pense que c'est du 3807. Hein. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un 7 ici. Alors, je sais pas. 3750, on l'a dit. Je ne sais plus. Alors là. Je ne sais pas. Alors, je vais reprendre les ceux où il n'y a pas les numéros. Pour leur montrer. Parce que. Non, je pense que c'est 3750 du coup. Je pense que c'est ça. Après, bon, on va pouvoir le voir. J'ai pas souvenir d'avoir dit le 3807. Ah si, il est là. Donc c'est bien ça, c'est du 3750. Voilà. J'étais en train de vous dire quelque chose, mais je sais plus quoi. Oui, je vais garder les sachets comme ça. Je vais les prendre en photo, leur envoyer et leur dire qu'il y a, voilà, qu'il y a un problème. Et que bah voilà, il faudrait qu'ils fassent attention parce que on a plusieurs sachets où on ne voit pas les chiffres, on ne sait pas ce que c'est. C'est. Ouais. J'ai l'impression de retourner au tout début du DP là. C'était un peu la misère. Mais bon, là on va pouvoir y aller à la déduction parce qu'on a, voilà, on a la table des matières ici. Mais j'avoue que voilà, c'est pour ma fille, elle aime bien préparer ses diamants. Et là je vais être obligée d'être derrière parce que on ne voit pas forcément très bien. Voilà. Donc ça c'est, enfin, c'est assez gênant pour moi. Je trouve que il pourrait faire un effort et tout ce qui est ancienne toile. Leur demander à ce que bah, on modifie et qu'on passe sur des sachets comme ceux-là. Il hein. N'y a pas. Voilà, c'est pas compliqué, je pense. Et puis voilà, faire un effort, quoi. Parce que bon, on a quand même un peu évolué depuis les toutes premières toiles de DP. Alors, cette toile-là, elle était au prix de 3,49€. Voilà. Alors globalement je suis plutôt satisfaite. Après moi je vais leur faire remonter les deux infos donc bah, cette toile là que je vous ai dit voilà. Et le problème de la poubelle en soi c'est pas dramatique. Mais c'est vrai que ça fait enfin j'ai regardé quelques vidéos dernièrement parce que ça faisait un moment que j'avais pas commandé chez eux. Et beaucoup de gens se sont plaints. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas de soucis. Moi, personnellement, j'ai pas eu de soucis en tant que cliente. Mais c'est vrai que j'ai vu pas mal de petites choses passer où il y a eu des soucis. Alors,
je dirais plutôt dû à l'emballage des choses et ça arrivait cassé, etc. Bon, honnêtement, je vais pas me plaindre, il n'y a pas eu trop de casse non plus. Hormis la poubelle, mais pour moi, la poubelle est partie comme ça. Je pense qu'elle est partie comme ça parce que l'emballage, enfin, si vraiment l'emballage avait été mal mené, mes toiles, elles auraient pris très cher et c'est pas le cas. Voilà. Donc, je pense que c'est parti comme ça. Voilà. Donc, ça, je vais leur faire remonter les infos. De toute façon, partenaire ou pas partenaire, si j'ai un souci, je leur remonte l'info et je leur dis. Point. Je suis pas là pour vous faire acheter des choses de mauvaise qualité ou voilà. Je suis là pour vous dire ce que j'en pense. Tant pis si je perds mon partenariat ou quoi que ce soit. Pardon, je viens de vous faire bouger. Mais. Je vais être sincère avec vous et vous remonter tous les soucis. Donc moi, je vais leur faire remonter l'info. Malheureusement, il y a des boutiques avec lesquelles on n'a pas forcément beaucoup de réponses. Hein, ou des fois, on a l'impression qu'ils nous répondent un peu à côté de la plaque. Et moi, je vous avoue qu'il y a des boutiques comme ça où maintenant je fais du tri. Parce que... Je suis pas là pour absolument faire connaître leurs produits et que derrière moi je n'ai rien en retour. Si j'ai même pas un retour sur ma vidéo ou quoi que ce soit, ça m'embête. Voilà. Donc bon, voilà. Moi je vous fais, je vous dis ce que j'en pense. Je vais faire remonter les infos et bah si jamais j'ai un nouveau partenariat, etc. Voilà, avec eux ou peut-être dans une vidéo blabla, je pense. À partir de la rentrée, je vais refaire soit des vidéos blabla, soit des vlogs. Je vais essayer au fur et à mesure de vous faire des retours sur les réponses que j'ai eues de certaines boutiques et bah, ceux où j'en ai pas eu du tout. Voilà, comme ça, vous saurez un petit peu. Et ben moi, je vous ai tout dit pour cette vidéo. Donc, je suis plutôt satisfaite et je suis agréablement surprise, moi, de ma Totoro. La Totoro, elle me plaît bien. Bon, dommage, c'est pas moi qui la fera. Mais elle me plaît. Oh, trop, j'aime beaucoup ces couleurs. Donc, moi, je vous ai tout dit. Alors, ça, hop, comme ça, vous allez voir les trois toiles. Voilà. Bon, voilà, vous voyez plutôt taureau du coup. Mais, hop, on va mettre comme ça. Voilà. Bon, il y a beaucoup de stitch. Hein, voilà. Mais bon. J'essaye de leur faire plaisir un petit peu. Et puis, voilà. Et ben, moi, je vous dis à bientôt. Et prenez soin de vous. Bye bye.